tout ce que Dieu fait est toujours bon. Et dans votre vie, cette année, le Seigneur va œuvrer merveilleusement et vous allez découvrir que toute chose qu'il va faire dans votre vie cette année serait bon au nom de Jésus. Alors, vous venez au chapitre 2, au chapitre 3. Chapitre 3, quelque chose est arrivé. Genèse, chapitre 3, on nous a dit verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Maintenant, la famille était complète, l'homme et la femme, Adam et Ève. Et Satan est venu dans la forme du serpent et il leur dit, je vais vous poser une question là. Vous savez, Dieu a fait de bonnes choses dans la vie d'Adam et Ève. Et dans votre vie, cette année, à partir de cet instant, Dieu va faire de façon excellemment bonne, de bonnes choses dans votre vie au nom de Jésus. Mais vous devez vous assurer, être à votre garde, que cet ennemi de bonté, de bonnes choses qui va venir dans votre vie, qui va changer les choses. Et va commencer avec une petite question, une petite suggestion, une petite façon de vous retirer loin de là où vous devez être. Est-ce que Dieu a dit que vous n'allez pas manger de tout ce que Dieu a créé dans le jardin? Et Ève a répondu, nous pouvons manger tout, hein, mais une seule chose ne peut pas toucher. Et Dieu a dit, tu ne peux pas toucher cela, vous ne devez pas manger cela, ni toucher cela, de peur de mourir. Et le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est ce que nous appelons la tentation, ça. Est-ce que nous appelons de se soumettre à la tentation, ça? Quand nous marchons avec le Seigneur aussi longtemps que nous serons avec lui, aussi longtemps qu'il est le Seigneur, toutes les bonnes choses qu'il a créées dans nos vies, toutes ces choses vont aller de l'avant et devenir meilleures, meilleures au nom de Jésus. Mais le diable ne voudra pas que nous jouissions de ces merveilleuses choses que le Seigneur va amener. Il va venir avec des tentations et des incitations à faire le mal. Et des incitations sur la mauvaise direction. Mais toutes les fois que Satan va venir pour vous troubler, pour vous tenter ou vous conduire dans une autre direction, vous allez dire non. Je dis, vous diriez non. Quiconque que Satan va utiliser dans ce lieu aujourd'hui, dans n'importe quel lieu, il peut utiliser un ami, il peut utiliser un frère, un ami, un voisin, un parent, quiconque que Satan va utiliser, toutes les fois que Satan va dire ce qui va aller contre la parole de Dieu, notre réponse serait non. Dans le cas de Ève, elle a mangé de ce fruit que Dieu a défendu de ne jamais toucher ni manger. Et elle a donné aussi à son mari et l'a convaincu. Et lui aussi l'a mangé. Et on nous a dit que les yeux de leurs yeux s'ouvrirent. Et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Genèse chapitre 3, le verset 15. C'est ainsi que Dieu a résolu le problème. Le Seigneur nous a donné un rédempteur. Le Seigneur nous a donné un remplacement de ce que Satan, le diable, a fait, le serpent a fait. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, le serpent et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, la postérité de Satan et sa postérité, la postérité de la femme.
celle-ci t'écrasera la tête. Jésus-Christ, par sa puissance et son œuvre rédemptrice sur la croix du calvaire, va détruire, briser, écraser la tête de Satan, mais lui, il lui blessera juste dans le talon, j'allais dire. Ça veut dire que Satan ne peut que faire crucifier Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi? Depuis ce temps, Dieu avait révélé le plan de la rédemption afin que nous soyons sauvés, rachetés, délivrés, loin des mains de l'ennemi. Et nous allons nous concentrer sur ce verset 15 à présent. Regardez encore cela. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je vous parle ce soir encore de la défaite éternelle, la défaite éternelle de l'ancien adversaire. Alors, cet ancien adversaire, ce soir, il sera défait dans votre vie au nom de Jésus. Et toutes les activités, les œuvres du diable, toutes ces choses seront détruites loin de votre vie au nom de Jésus. La défaite éternelle de l'adversaire était de l'adversaire ancien. Numéro 1, la crucifixion et la domination du Sauveur. La crucifixion et la domination du Sauveur. Point numéro 2, le brisement ou l'écrasement et la défaite de Satan. L'écrasement et la défaite de Satan. Point numéro 3, la conversion et la délivrance de la postérité. La conversion et la délivrance de toute la postérité. Point numéro 1, c'est quoi? Point numéro 1, c'est quoi? La crucifixion et la domination du Sauveur. Point numéro 1 encore, la crucifixion et la domination du Sauveur. Alors, vous devez venir à Genèse chapitre 1 et comprendre le travail que Dieu a fait au travers de Jésus, à vous et à moi, à travers l'humanité. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme, ça c'est la mère de toutes les choses vivantes de l'humanité. Cela veut dire que quelle est la mère, qui est la mère de tous les vivants. Il dit, il ne doit pas avoir d'association entre le serpent et l'humanité, le diable et l'humanité. Il voudrait que nous haïssions Satan. Il voudrait que nous soyons en inimitié contre Satan et contre les œuvres du diable et les œuvres de l'occultisme et les œuvres des ténèbres et toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres, les suggestions sataniques. Il ne voudrait pas que nous ayons de l'amitié avec Satan. Il ne voudrait pas que nous ayons de l'alliance avec Satan. Il ne voudrait pas que quelqu'un parmi nous vienne s'aligner en ligue avec Satan dans n'importe quelle manière ou n'importe quel domaine. Cela veut dire que si vous êtes dans l'occultisme, vous êtes en erreur et vous êtes en ligue avec Satan. Vous êtes en amitié avec Satan. Vous êtes un amoureux de Satan. Vous êtes un parent de Satan. Vous êtes en relation avec Satan. Voilà pourquoi on nous a dit qu'on ne veut pas avoir de Dieu. Paul a dit à l'autre, toi, fils du diable, ennemi de toute justice, nous devons briser tout lien avec l'occultisme, tout lien avec les pratiques occultes. Je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Ce qui veut dire que la postérité de Satan, les enfants de Satan, toutes ces personnes qui pratiquent la magie, tous ces gens qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent toutes ces mauvaises choses, ils voudraient que nous nous séparions totalement d'avec ces gens. Et si vous êtes la postérité d'Abraham ou la postérité de David, la postérité de Christ, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, il doit y avoir une séparation très claire, séparation très définie entre vous et eux. Si vous êtes encore avec eux, ça veut dire que l'inimitié entre la postérité de Satan et la postérité de la femme n'a pas encore eu lieu dans votre vie. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cela se réfère à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Je vais vous montrer premièrement que Jésus-Christ est la postérité de la femme. Ce n'est pas la postérité de l'homme, mais de la femme. Ésaïe 7, nous voyons Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7 et le verset 14. Il nous dit, 14 nous dit simplement là, que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici la jeune fille, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme. La jeune fille deviendra enceinte par la force de cet esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Voyez-vous cela? Que lorsque Christ sera né, il naîtrait de la Vierge. Et que vous allez l'appeler Emmanuel, parce que c'est Dieu avec nous. C'est cette postérité qui est là, qui est Jésus-Christ, qui a été envoyé pour écraser la tête du diable. C'est ce Jésus-Christ qui a été envoyé pour mourir pour nous à la croix du calvaire, afin que nous puissions savoir l'effet de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Le péché qui est venu, la maladie qui est venue, la mort qui s'en est suivie, la souffrance qui s'est mise à la suite de cela, de tout ce qui venait à travers Satan, au travers de Jésus-Christ à la croix du calvaire, toutes ces choses seront éradiquées loin de votre vie. Regardez à Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Voici ce que la semence de la postérité de la femme a traversé. La postérité, ce qu'il a traversé, Jésus-Christ, le fils né de la Vierge, ce qu'il a porté pour vous, ce qu'il a porté pour moi. Ésaïe 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Lorsque Adam et Ève l'ont péché, c'est pour cela qu'ils ont brisé le sang, ils ont brisé ça, Dieu, Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus-Christ est venue à partir de cet instant. Voilà pourquoi c'est devenu nécessaire, à cause de vos péchés, et à cause de votre écoute du diable, et à cause de votre soumission à Satan le diable. Et c'est pour cela que Jésus devait mourir. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Regardez le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est ce qui s'est produit lorsque Jésus était crucifié. C'est à cause de votre iniquité, mon iniquité, nos iniquités ensemble, que à cause de cela, la crucifixion a eu lieu. Il a porté nos châtiments, il a porté nos tristesses, il a porté nos souffrances, il a porté nos hontes. Et l'iniquité de nous tous, vous êtes inclus. L'iniquité de nous tous, tout le monde est inclus. Et vous, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il va emporter toutes vos iniquités, vos péchés, votre dégénérescence, et il va tout enlever loin de vous, et il va déposer cela sur Christ, et Christ va les emporter sur la croix, à cause de ce que le Seigneur a placé sur l'iniquité de nous tous. Regardez le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser. Voyez-vous le verbe briser ici. Voyez-vous, il a dit, il le blessera le talon, il le blessera le talon. Il a laissé le Seigneur, et par la souffrance, il a brisé par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voyez-vous, à cause des péchés que nous avons commis, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause des péchés des descendants d'Adam et Ève, voilà pourquoi Jésus devait mourir. Et à cause de vos péchés, Jésus est allé à la croix du calvaire. Et le moment où vous dites, oui, je reconnais cela, c'est à cause de mes péchés qu'il a été crucifié. Ce sont mes péchés qui l'ont cloué à la croix. Ce sont mes péchés qui l'ont fait souffrir. En ce moment précis, tous vos péchés, culpabilité, condamnation, tout sera enlevé. Il dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il, à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de leurs iniquités. Cela veut dire que vous allez découvrir que Jésus va emporter toutes les iniquités. Regardez Actes maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes 4, verset 12. Actes 4, verset 12. Il nous dit dans le verset, il dit, il n'y a plus de salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans la religion. Il n'y a pas de solution dans la religion. Ou il n'y a pas de solution dans quelqu'un. Il n'y a pas de salut en aucun autre. En aucun autre. Pas de salut dans un fondateur de religion, ce fondateur d'église.
Il n'y a pas de salut en un autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas de nom qui a été donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Nous devons être sauvés parce que les péchés doivent être pardonnés. Et nous devons, tout doit être justifié avec le Seigneur, réconcilié avec le Seigneur, vivre dans la justice avec le Seigneur et échapper au jugement qui vient à cause de notre soumission au serpent, notre soumission à Satan et notre soumission au péché. Il n'y a pas une autre voie par laquelle cela peut être fait. Où cela peut être fait? C'est pas le nom de Jésus, la semence ou la postérité de la femme qui est venue porter toutes nos iniquités. Point numéro 2 à présent, l'écrasement et la défaite de Satan. L'écrasement et la défaite de Satan. Genèse chapitre 3, nous voyons le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu est en train de dire que c'est lui qui va le faire. Il mettra inimitié entre toi et la femme. Si vous appartenez à Dieu, il va mettre une séparation entre vous et Satan. Si vous appartenez à Dieu, vraiment, alors il va mettre une séparation, une démarcation, un mur d'empêchement impénétrable entre vous et tout ce qui est puissance ténébreuse, entre vous et tout esprit ténébreux, entre vous et toute chose que Satan fait. Mais si vous êtes encore en ligue avec Satan et que Satan, Dieu n'a pas mis l'inimitié entre vous et Satan, entre vous et l'occultisme, entre vous et les sociétés secrètes, entre vous et la religion traditionnelle, entre vous et l'idolâtrie, entre vous et le dieu de la rivière, le dieu de bois, le dieu de forêt, le dieu de fer, le dieu de ceci, le dieu de cela. Si l'inimitié n'est pas là, entre vous et ces choses, que vous ne haïssez pas l'idolâtrie de tout votre corps, de toute votre pensée, et que vous fuyez tout ce qui a rapport avec l'idolâtrie et le satanisme, alors si vous êtes vrai enfant de Dieu, vous ne pouvez pas continuer d'être dans ces choses. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous ne devez pas être membre d'un gang si vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne devez pas être membre dans l'occultisme si vous êtes un vrai enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être ensemble avec ces religions traditionnelles, l'idolâtrie et l'adoration des idoles, l'adoration des choses créées. Vous devez les haïr de tout votre cœur. Et même s'il y a l'apparence de ces choses dans votre cœur, vous ne devez jamais le permettre de venir vers vous. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Il a donné à Satan un coup mortel d'écrasement. Il l'a défait complètement. Et si vous venez au Seigneur Jésus-Christ, toutes les œuvres du diable sont complètement défaites dans votre vie. Quand vous considérez à ce Genèse chapitre 3, vous allez voir que Satan est démontré dans l'image d'un serpent. Le serpent est venu à Ève. Le serpent a dit. Et Ève a répondu. Et le serpent a dit encore. Pourquoi disons-nous que ce serpent était Satan? Regardez l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, Apocalypse 21, Apocalypse chapitre 20, le verset 1, Apocalypse 20, le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia. Pour 1000 ans. Voyez-vous cela ici, que ce serpent est appelé Satan et est appelé le diable. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? On nous a dit dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, Dieu merci, Satan est défait. Dieu merci, Satan est brisé. Et à cause de ce que Jésus a fait déjà, c'est ce que Genèse 3:15 a dit, que lui, Christ, écrasera, brisera, détruira, donnera un coup mortel à Satan sur sa tête. Il ne va plus vous troubler parce que sa puissance a été défaite, détruite, brisée complètement loin de votre vie au nom de Jésus.
Mais rappelez-vous que vous devez maintenir l'inimitié entre vous et le serpent. L'inimitié entre vous et les œuvres des ténèbres. L'inimitié entre vous et toute forme d'occultisme. Si vous maintenez cela, alors ce que Christ a fait en brisant la tête du diable, cela sera efficace dans votre vie au nom de Jésus. Romains chapitre 16, le verset 15, le verset 20, j'allais dire. Lorsque vous voyez cela, la connaissance, ça, c'est la puissance. La connaissance, ça, c'est le pouvoir. La connaissance, ça, c'est la délivrance. Ça, c'est la connaissance, ça, c'est la liberté. Voyez-vous, ceux qui cherchent la délivrance ici, la délivrance là-bas, ils courent d'ici à là. C'est à cause de l'ignorance. Ils n'ont pas la connaissance de ce que Jésus a déjà fait le travail. La tête de Satan est complètement brisée et complètement écrasée. Romains 16, verset 20. Il dit, et le Dieu de la paix... Et le Dieu de paix, j'allais dire, fera quoi? Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dieu merci, c'est déjà fait. Je dis Dieu merci, c'est fait. Ça, c'est le résultat du calvaire. Que Satan est déjà écrasé. Sa tête a été écrasée. Sa tête a été déjà mise en débandade. Et complètement disséquée. Et il est maintenant sous vos pieds. Et il sera sous vos pieds, pour toujours sous vos pieds, totalement sous vos pieds, complètement sous vos pieds. Il ne va plus jamais se lever pour vous tourmenter au nom de Jésus. Colossiens 2, verset 13, nous dit, Colossiens 2, verset 13, il nous dit dans le verset 13 que... vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Alors, cela ne serait pas possible s'il n'était pas mort à la croix. Il a porté vos péchés. Il a porté le châtiment de vos péchés. Et en faisant grâce à toutes vos offenses, et il a été effacé. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15 maintenant, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé d'elles sur la croix. Ça veut dire quoi? Qu'il a déjà dépouillé les principautés, les puissances. Toutes ces puissances des ténèbres ont été déjà brisées pour vous. Je dis, ont été brisées pour vous. Et ils ne vont plus vous tourmenter la vie. Si vous réalisez que Jésus avait cela pour vous, Jésus a été crucifié pour vous, afin que Satan soit complètement, totalement, et ses œuvres soient détruites de votre vie. Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Dieu merci, je suis libre. Je dis Dieu merci, je suis libre. Vous êtes libre au nom de Jésus. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, ça c'est la mort à la croix du calvaire, par la mort, ça c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, par la mort, la crucifixion de Jésus, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça c'est ce qui est arrivé à la croix. Et c'est ce qui est la réponse à Genèse chapitre 3, verset 15, que Jésus devait être blessé au talon, il devait être crucifié. Et le résultat de cela, c'est qu'il aurait détruit toutes les puissances de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La raison pour laquelle certaines personnes se sont soumises à la servitude de l'occultisme, la servitude de la société secrète, c'est qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur de ce que les mauvais esprits peuvent les faire. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu pour nous délivrer de ces choses. La mort du diable, la mort de la mort, et la peur de la mort, la peur du diable, la peur des mauvais esprits. Et toutes ces choses sont déjà parties au nom de Jésus. Point numéro 3, c'est la conversion et la délivrance de toute sa postérité, de toute la postérité. Savez-vous que nous sommes maintenant référés, on se réfère à nous comme la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité du Seigneur lui-même. Regardez dans Galates 3, verset
29. Galates 3, 29. Galates 3, verset 29. Nous allons réclamer cela. Et nous allons posséder cela. Galates chapitre 3 et le verset 29. Il nous dit, et si vous êtes à Christ, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes converti, si vous avez donné vos vies au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes identifié avec la crucifixion de Christ, si vous vous êtes identifié à la Christ crucifié à la croix, crucifié avec lui, mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors nous avons hérité de toutes les promesses de Dieu qu'il a faites sur la base de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si vous appartenez à Christ, identifié avec Christ, vous croyez que Christ est mort pour vous, et toutes les bontés de l'expiation de Christ à la croix du calvaire, et cela est devenu votre. Je suis crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cela veut dire alors que les promesses de Dieu venant du calvaire seront votre au nom de Jésus. Le salut sera votre. La sanctification sera votre. La sainteté sera votre. La pureté de cœur sera votre. Et ce n'est pas seulement la pureté durant le programme, la pureté durant la retraite, la pureté durant l'église, le temps de l'église, mais durant tout le reste de votre vie, à cause de ce que Christ a fait à la croix du calvaire. Regardez le chapitre 5, le verset 24. Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Appartenez-vous à Christ parce que vous avez pris part à cette crucifixion. Vous avez pris part à l'identification avec Jésus-Christ. Il a dit que toutes les œuvres de la chair sont brisées, crucifiées. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Chapitre 6 et le verset 14. Galates chapitre 6 et le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de là, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Voyez-vous cela? À cause de l'accomplissement de ce Genèse 3, verset 15, le monde est crucifié pour vous. Toutes les mondanités, la vie charnelle, la festivité, la poisson, la fumée, l'adultère, la fornication, et toutes les choses traditionnelles, toutes ces choses, vous êtes crucifiés à toutes ces choses. Et ces choses n'auront plus d'effet sur vos vies au nom de Jésus. Et moi, j'ai été crucifié comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi et je le suis également pour le monde. Quel est le résultat de cela maintenant dans Luc chapitre 10? Luc chapitre 10. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Je demande, êtes-vous libre ce soir? Identifié avec Christ, vous êtes libre. Identifié avec Christ, il y a l'inimitié entre nous et le serpent. L'inimitié entre nous et Satan. L'inimitié entre nous et la semence de ou la postérité de Satan. Les activités de Satan, les activités, les œuvres de Satan. Il y a un mur de séparation entre nous et tout ce qui a rapport avec Satan. Eux et nous ne sommes pas ensemble. Et leur mort n'aura plus jamais de force sur nous pour toujours au nom de Jésus. Luc chapitre 10, le verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Cette année, votre vie sera une vie de joie. Vous allez découvrir ce que le calvaire a fait pour vous. Vous allez découvrir ce que Jésus a fait pour vous. La joie, tout au long de votre vie au nom de Jésus. La joie du salut. La joie de la justice, la vie juste, la vie, la joie de la victoire sur le péché, la joie de la victoire sur la maladie et la joie de la victoire sur Satan. Et cette joie totalement, complète joie, la joie de révélation sera dans votre vie au nom de Jésus. Et les 70 revient avec joie. Les 70, tous les 70, ce n'est pas 50 des 70. Ce n'est pas les 60 des 70, mais toutes les 70. Nos enfants auront la joie, nos jeunes auront la joie, nos femmes auront la joie,
nos hommes auront la joie et toute l'église aura la joie de la victoire au nom de Jésus. Disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. À cause de Genèse 3, verset 15, je l'ai vu, il est déjà tombé. Il va tomber loin de votre vie. Il va tomber loin de votre famille. Verset 19, maintenant, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Visitez le calvaire, et voyez ce qui s'est produit, que Jésus-Christ a déjà brisé la tête du diable, et voyez ce qui s'est passé, que la crucifixion de Christ a déjà eu lieu. À cause de cela, il y a la conversion pour vous. À cause de cela, il y a la délivrance pour vous. Et à cause de cela, il y a le brisement de Satan sous vos pieds. Le serpent sera sous vos pieds. Les scorpions seront sous vos pieds. Et toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances de l'ennemi seront sous vos pieds. Et rien ne pourra vous nuire. Vous n'allez pas mourir prématurément. Et alors, il dit au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voici, ça c'est pour ceux qui ont visité le calvaire. Ça c'est pour les gens qui ont connu le résultat de la rédemption de Christ au calvaire pour nous. Et c'est très simple. Le moment où vous venez à Christ, vous dites « Seigneur, je te remercie. Je sais que tu allais au calvaire. Je sais que tu es mort pour moi. » Je sais que la crucifixion a été faite pour moi. Je sais que la mort était pour moi. Je sais que la résurrection était pour moi. C'était pour moi que tu as accepté et que tu as brisé la tête du diable. C'était pour moi que tu as défait Satan. Et c'était à cause de moi. Tu l'as fait pour moi. Et je vais vivre dans la joie de te dire, je crois au Seigneur. Et ce moment que vous croyez, alors il efface vos noms du livre de mort. Et pour le reste de votre vie, vous avez la victoire du calvaire au nom de Jésus. Pourquoi ne pas vous tenir debout maintenant et dire, Seigneur, je crois en cela. Seigneur, je crois en cela. Je crois en cela. Ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi, la croix. Et à cause de cette mort, j'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu toutes les puissances du diable. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu. La connaissance amène le pouvoir. La connaissance amène la force. La connaissance amène la victoire. La connaissance nous rend plus que vainqueurs. Maintenant, vous savez ce que Christ a fait pour voir le cas du calvaire. Vous avez la connaissance. Alors, ça c'est pour vous. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Parlez à Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre Satan et la femme. Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'allez pas avoir de relation avec Satan. Vous devez haïr l'occultisme avec une haine profonde, une haine pratique. Vous devez haïr l'idolâtrie au dernier degré. Vous devez haïr les œuvres de satanisme, de ça. Vous devez haïr le péché. Avec une haine pratique et très profonde, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, parlez à Dieu, dites à Dieu, Seigneur, donne-moi la haine pour le péché, la haine pour l'adultère, la haine pour la fornication, la haine pour l'occultisme, la haine pour Satan, l'adoration satanisme de Satan. Tout ce qui a rapport avec les souillures, la haine, tout ce qui est ingénieux de sa part Satan, le Seigneur va vous donner la haine pour ces choses. Tout ce qui est la fausse doctrine, vous devez haïr cela. Les idolâtres, les pratiques idolâtres, vous devez les haïr également. La haine pour le festival, le caravane. Je mettrai inimitié, la haine entre toi, le serpent, et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Parlez à Dieu.
Vous devez maintenir cette victoire permanente par la haine permanente, la haine perpétuelle que vous devez avoir envers les œuvres du diable. Alors vous serez en mesure de dire, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Il n'a rien trouvé à moi. Et les œuvres de Christ à la croix du calvaire, le brisement de la tête de Satan, serait une chose efficace pour vous. Ce serait efficace et réel dans votre vie. Celui qui commet le péché est du diable. Vous allez en secret. Vous sortez en secret, en catimini. Vous sortez de la maison en cachette pour aller pécher. Vous êtes un enfant du diable. Vous fuyez l'église, vous sortez en cachette pour aller pécher. Vous quittez votre ville, vous péchez ailleurs. Vous vous cachez loin des croyants pour aller pécher. Vous êtes un enfant du diable. Satan sait que vous lui appartenez. Il va vous tourmenter. Mais si vous dites, oh, il y a la haine entre moi et le serpent, la haine entre moi et ce diable, la haine entre moi et ce diable, alors vous serez libre. Ce que Christ a fait pour vous à la croix du calvaire, c'est pour vous affranchir. Et rappelez-vous maintenant que vous avez donné votre vie à Christ, Satan doit être sous vos pieds. Les mauvais esprits sont sous vos pieds. Les puissants ténébreux sont sous vos pieds. Toutes ces infirmités sous vos pieds. La folie sous vos pieds. Les maladies incurables sous vos pieds. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple victorieux de Dieu dise, cette inimitié entre les enfants de Dieu et Satan, est-ce que c'est dans votre cœur? Je demande, est-ce que cette inimitié entre les enfants de Dieu, est-ce que ce qui est entre nous, l'inimitié entre nous et le diable, est-ce que vous avez la haine pour le diable? Avez-vous la haine pour les mauvais esprits? Avez-vous la haine pour l'occultisme? Avez-vous la haine pour les péchés secrets? Alors, la victoire est venue alors dans votre vie. Je dis la victoire est venue dans votre vie. À partir de ce moment, les maladies sont sous vos pieds. Les mauvais esprits sont sous vos pieds. Satan est sous vos pieds. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour le calvaire. Nous te bénissons pour la croix. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Et pour notre expiation et la rédemption. Oh Seigneur, nous l'acceptons. Nous acceptons ta mort pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous nous détournons de toute forme de péché. Nous nous détournons et nous venons à toi. Et nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la profonde haine contre le péché et contre les mauvais esprits, au nom de Jésus. Maintenant, nous savons que la victoire de la croix est notre victoire. La victoire de Christ, lorsqu'il est mort pour nous à la croix du calvaire, c'est pour nous. Nous réclamons cette victoire maintenant. Nous acceptons cette victoire maintenant. Nous recevons cette victoire maintenant. Donne à chacun de nous la victoire au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute maladie soit maintenant sous vos pieds. La tuberculose sous vos pieds. Le cancer sous vos pieds. Les maladies incurables sous vos pieds. Les maladies de cerveau sous vos pieds. Soyez guéris au nom de Jésus. La stérilité sous vos pieds. La stérilité sous vos pieds. Je prie maintenant que vous receviez vos bébés miracles, maintenant même au nom de Jésus. Toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres du diable, complètement détruites loin de votre vie, maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, libère ton peuple, affranchis ton peuple.
affranchi ton peuple. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Nous avons connu la vérité et nous sommes libres. Nous avons connu la vérité, nous sommes victorieux. Nous avons connu la vérité, nous sommes sauvés. Nous avons connu la vérité et nous sommes guéris. Nous avons connu la vérité et nous sommes délivrés. Je prie, Seigneur, que l'autorité, la domination descende dans chacune de nos vies, même maintenant, à cause de cette connaissance au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple courageux, conquérant, victorieux de Dieu dise Amen.